Bonsoir, coach. Bonsoir. À tout le monde. Allez, joyeux anniversaire, coach, d'ailleurs. Pour le match, pour la finale de demain, quelles sont vos ambitions dans cette expédition face à cette belle formation marocaine? Je pense que si je vous dis qu'on vient ici pour perdre, est-ce que vous nous croyez? Donc on viendra ici pour gagner. Coach, je vous repose la même question que j'avais posée à votre collègue confrère de Raja. Aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec un seul match, une seule finale, où pratiquement il n'y a plus de calcul à faire. Justement, votre avis sur cette nouvelle formule, qu'est-ce que vous appréciez ou pas? Et aussi, comment se présente un peu cette finale? Notamment, vous avez connu beaucoup d'aléas en termes de pour s'entraîner, les va-et-vient, etc. Vous n'avez pas vraiment eu le temps nécessaire pour. Ça vous a pris de votre temps, beaucoup de votre temps. Oui, ben je dirais que c'est une finale, normalement, ça se joue sur un match. Je pense que c'est une bonne chose de finir la compétition sur un match. Ensuite, en ce qui concerne la préparation, ben dans le grand ensemble, on a été bien accueillis. C'est vrai qu'il y a juste le problème de devoir faire 2 heures de bus pour aller s'entraîner. C'est un peu dommageable, mais bon, on fait avec, on a le temps de bien pouvoir récupérer. Et après, sur un match, oui, c'est vrai que je dirais que sur un match, tout est possible, puisque c'est souvent des finales qui se jouent sur un match. Ça, je dirais, nivelle les valeurs. Et donc, je pense qu'une coupe, c'est bien de se terminer sur un seul match. Juste en revenant avec Nedes, vous avez récupéré Zakaria Boulaya à dernière minute. Quelle est sa forme physique et est-il en mesure de pouvoir être dans le rang de pas demain? Vous savez, il a juste été arrêté 3-4 jours. Au niveau de la forme physique, c'est pas beaucoup, c'est pas un gros déficit. Il s'est entraîné avec le préparateur physique depuis lundi. Donc au niveau de... ça a peut-être même permis un peu de récupérer, vu qu'on avait joué beaucoup de matchs. C'est peut-être une bonne chose pour lui. Après, est-ce qu'il sera apte, ça, on verra demain. Ouais. La question. Bonsoir coach, Fabrice Lou, Afrique Média Télévision, je viens du Cameroun déjà. Cela faisait quasiment 10 le banc, j'escale de compétition, la finale. Ces titres de Coupe de Confédération. Si on est en finale, si on n'était pas venu là pour gagner, on ne serait pas venu. Donc si on est là, c'est que oui, on est très motivé pour essayer de remporter la finale. Après, on verra si on en est capable. Mais il y a certains qu'on ne vient pas là pour du tourisme, ou on vient là pour gagner. Ça me paraît une évidence. Coach, l'arbitre Aladi pour la radio Tiziri, Paris. Je voulais vous demander, coach, par rapport à tout votre investissement dans cette équipe kabyle, vous savez que derrière, il y a tout un peuple qui est derrière vous, qui vous attend. Des gens sont venus de France, du Canada, d'Algérie, des États-Unis, du monde entier. Ne pensez-vous pas que c'est une grosse charge pour vous? Est-ce que vous pensez réellement pouvoir répondre à cette aspiration non seulement d'une équipe, mais d'un peuple entier, qui est le peuple kabyle? Merci. C'est moi, personnellement? Ou les joueurs ou l'équipe? Moi, personnellement? Moi, vous savez, je ne serai pas sur le terrain. Hein. C'est les joueurs qui seront sur le terrain. Donc, c'est eux qui doivent exprimer leur qualité. Moi, je serai là. C'est les joueurs qui sont sur le terrain. Hein. Ce n'est pas l'entraîneur. Après, pour vous répondre.
Je pense qu'au mois de janvier, quand je suis arrivé, il n'y a pas beaucoup de monde, même les plus fervents supporters de la JSK, qui pensaient que cet effectif arriverait à la finale de la Coupe de la Confédération, à la finale de la Coupe de la Ligue, à faire la saison qu'on a fait. Donc voilà, donc après, je pense que les joueurs, ils sont là, ils sont sur une bonne dynamique, ils sont prêts à jouer, bon, et vont faire le maximum pour remporter ce match. Question. Bonsoir, Théophile Hazard, Radio Torpa. Votre statut de champion 2001-2002 doit-il favori par cette finale? Non, ça c'est il y a 20 ans. Hein. Les matchs il y a 20 ans, aujourd'hui, ils ne comptent plus. Le palmarès, demain, quand le match commencera, il ne comptera pas. Ce qui comptera, c'est les 11 joueurs plus 7 remplaçants qui sont d'un côté, les 11 joueurs et 7 remplaçants, ou 9 remplaçants qui sont de l'autre côté, le ballon, 3-4 arbitres, et puis le match débutera. Ce qui s'est passé avant, même le dernier match qui a été joué, il ne comptera pas. C'est ce que feront les joueurs demain qui sera important. Le reste, c'est des statistiques, et les statistiques, on leur fait dire tout ce qu'on veut. Pourtant, demain, ça sera ce qui se passera sur le terrain. Question. Bonsoir, Hospice Métoli, Télévision Nationale. Du point de vue des forces vives au niveau de votre collectif, est-ce que vous avez tous vos hommes prêts pour le combat de demain? Ouais. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que vous êtes techniquement supérieur à cette équipe de Agen? Tous les joueurs sont aptes, ils sont prêts. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Techniquement, non, on n'est pas supérieur à cette équipe. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Je pense que c'est deux équipes qui ont un très bon niveau de football. Ça se jouera sur pas grand-chose, sur des détails. Et c'est là-dessus qu'il faudra être attentif et il faudra faire en sorte que ces détails ils tournent en notre faveur. Nous, on a un gros collectif. On n'a peut-être pas de joueurs phares, mais on a un gros collectif. Et il faudra que ce collectif prenne le pas sur peut-être les joueurs un peu plus talentueux ou sur les forces individuelles de l'adversaire. Question. Bon, on va passer aux joueurs. Le problème qui est énorme en fait, c'est que si elle demain on n'aura pas, pour finir un foot et pas fait une GSK. Très bien, posez-la également en français, sinon on ne pourra pas y aller parce que... Il est là, le chef de coupe. La langue de la ville fait partie des langues. Oui, non, mais sauf que la langue officielle de la CAF, c'est le français ou l'anglais. Soit vous le dites et lui traduit. Principalement, ce que j'ai dit, c'est que il y a un appui énorme des supporters de la GSK qui sont venus de partout des 5 continents de la planète. Et puis aussi à l'amitié internationale des supporters de la GSK, dans le suivant, qui sont venus en force aussi. Donc, quel est le sentiment des joueurs de la GSK que vous êtes par rapport à ce soutien? Merci. Bon, Zulf Laon, bonsoir. C'est vrai que on sait tous que Zalak, la GSK, c'est beaucoup plus qu'un club. C'est une identité. Je pense que tout le monde est derrière nous. On connaît les enjeux. On sait que ça ne va pas être facile. Et on les remercie déjà pour être déplacés. J'espère qu'on partira tous heureux à la fin du match demain. Question. Omar Jumaï, Sahabi, Télévision Jazeera. Moi, on prend le lieu où le chef jazeera a réussi à faire une mobarate. Omar, je vous parle comme une chasse de l'énergie. Comme on prend le lieu par la bouche de l'Ari. Donc, on prend le lieu de l'Ari. Donc, on prend le lieu de l'Ari. يلعب على جبهتين على البطولة نقول لكم تقريبا حسب لكن على مستوى الكاف وأيضا السلام عليكم الشباب على كل الحضور للتتويج
سؤال ثاني نقولوا مباراة ستجمع بين الشباب مثل شباب القبائل فريق شاب تقريبا ما تلعب 25 سنة أو أقل مع فريق خبرة يعني خبرة رجع بيضاوي فريق في السنوات الأخيرة نقولوا البيت أحسن الفرق الأفريقية وش هي الرسالة اللي قدمها لكم دينيس لافال؟ Monsieur, pour aller directement à la question, parce qu'on ne comprend pas et ça poser la question directement, comme ça il traduira en truc. Quand tu dis qu'il fait une tragédie à temps des joueurs et des stades, des membres de la délégation, une bonne prestation, c'est une tragédie qui est derrière l'équipe de la GSA. Il parle aussi de ce que a apporté M. Lacan. C'est une question qu'il pose ou pas? Une question, oui. Et puis on a entendu la question, M. Lacan, on a entendu la question. Merci pour le... Vous avez compris sa question? Ouais. Allez-y. C'est de répondre en français. On n'est pas français. En français, ouais. Pour la première question, c'est vrai que cette année, notre saison, elle est plutôt réussie. Mais je pense qu'on n'est pas encore satisfait jusqu'à... Parce que comme le coach l'a déjà dit, on n'a rien gagné encore. Il reste une grande bataille qui sera demain à livrer. Inch'Allah, on sera sacré champion. Et pour votre deuxième question, c'est vrai que les joueurs du Raja, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Nous, on est plutôt une équipe jeune. Et je pense que pendant 90 minutes, demain, ça ne va pas se voir parce que nous, notre force, ça se voit dans le groupe. Ça a toujours été le groupe, notre force, depuis le début. Et ça restera et... On est optimiste pour demain. Inch'Allah. Question pour les joueurs. A beaucoup voyagé puis que subsaharienne, vous étiez au Sénégal à Jarab pendant le match de coupe, vous avez joué le Cameroun à match de coupe, vous êtes encore revenu pendant la phase des éliminatoires. Est-ce que finalement ça vous donne beaucoup plus d'avantages pour le match de demain par rapport au Raja qui a très peu joué en Afrique subsaharienne pendant cette compétition? Je pense que ce sera une expérience supplémentaire, mais comme je vous ai dit, pendant 90 minutes, demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Je pense que les deux équipes seront prêtes. Les deux équipes vont jouer le titre de champion. Et j'espère que la chance tournera de notre côté. Très bien. Une dernière question pour le joueur. Allez-y. Comme on le dit souvent... Non, monsieur, c'est lui qui a la parole. S'il vous plaît, remettez-lui le micro. Je pense que l'état d'esprit d'un joueur qui va disputer une finale, elle est claire et nette et précise. Et quand on va jouer une finale de Coupe de la CAF, on ne va pas penser au championnat ou penser à autre chose. On sera focus sur le match, sur la finale de la Coupe de la CAF. Et je pense qu'on est prêt, on a énormément travaillé et j'espère qu'on sera sacré. Très bien. Oui, pour le joueur. Dans la carrière d'un joueur, du plus grand joueur, certains grands joueurs dans le monde, dans la nation, n'ont jamais eu la possibilité de jouer une finale. Et c'est un événement qui ne revient pas, parfois ça revient une fois, deux fois, pas dans la carrière d'un joueur. Pour cette première finale, qui marque la vie, ça devient délibile. Justement, bon, quel état d'esprit, en toute sincérité, et à ce qu'il y a un monde aujourd'hui, lui qui a été toujours un peu la locomotive de cette équipe? Franchement, on sera vraiment très très motivés. C'est vrai qu'il y a eu énormément de joueurs algériens qui n'ont pas eu la chance
qui n'ont pas eu la chance de disputer une finale de CAF ou de Champions League. Je dirais qu'on a été récompensé de la bonne saison qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais le plus important, ce n'est pas de la jouer, c'est de la gagner. Et j'espère qu'on va la gagner. Très bien. On prendra une dernière question et ensuite on mettra fin à la conférence de presse. David Laval, il disait tout à l'heure que, en gros, la balle est dans votre camp, dans le camp des joueurs. C'est vous qui êtes sur le terrain. Astermann, qui est parti de Nangis, en Côte d'Or, en Dijon. France, Dijon. Ouais. Et quel parcours par rapport à ce parcours, quel est, par rapport à la JSK, quel est votre rapport au niveau de cette équipe, par rapport à votre expérience? Et puis, vous savez que derrière, il y a tout un peuple qui vous attend. Est-ce que cette pression-là ne risque pas de peser lourd dans l'esprit des joueurs? Voilà, derrière, Valérie Roubaix-Liem, je traduis en cabine monsieur la chargée de communication, s'il vous plaît. Je traduis pour les gens qui ne comprennent pas le français. إقبالين سرد جون بالشومعة خدمنا أهلناك الفيروان سودريناك الإقبال الفيروان اشتناك الوسان سيدانجي أدمير التموث الإقبالين على جيس كبري سبورد شطوح نتير مرينيك عند اكسبرينس أمشي تحول فا إمجونا لقيا عند باقة جيس كا إذا تقني أجنينيك أمشتاك يكم إسكلو يتصدران الزاي شطوح الفلسن إثمي لديك ثانوية. Oui, mais sauf que déjà, c'est une faveur qu'on vous fait parce que les conférences de presse sont en français ou en anglais et en arabe ou autre langue quand il y a un traducteur assermenté, ce qui n'est pas le cas. Donc, il ne faut également pas abuser. Merci de répondre. Bon, pour vous répondre, nous arabes, on sait tous que c'est une grande responsabilité. On sait tous que déjà porter le maillot de la JS Kabylie, c'est une grande responsabilité. Du moment où on vient, on signe à la JS Kabylie, on sait que c'est un club de titre. On sait que c'est un club avec un grand palmarès. Donc voilà, on est là, on assume et j'espère qu'on rendra tout ce peuple heureux demain.